dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police retrouve le corps de Marc, Sophia sauve un jeune homme de la noyade. Jules se pose quant à lui des questions sur Charlie et Gabriel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 5 avril dans Demain nous appartient. La police retrouve le corps de Marc sur la plage. La police a retrouvé le corps sans vie de Marc Véry mais pas celui de Lucie. Convaincu que son ancienne coéquipière n'a pas survécu, Martin ordonne la poursuite des recherches de son corps. Au poste, Karim confirme à Georges qu'il n'y a pas la moindre chance pour que Lucie s'en soit sortie. Même s'il est très peiné par cette nouvelle, le policier estime toutefois que c'est mieux ainsi car Lucie aurait passé sa vie derrière les barreaux. De son côté, Sacha félicite son fils pour le courage dont il a fait preuve lors de son kidnapping. Comme l'adolescent semble affecté par la mort de ses ravisseurs, Sacha l'encourage à consulter un psychologue pour parler de ce traumatisme mais Ben s'y oppose. Pendant ce temps, Victoire ne réalise pas que son amie est morte. Son compagnon a beau tenter de lui prouver qu'il est impossible qu'elle soit en vie, Victoire refuse d'y croire tant qu'elle n'aura pas vu de preuves. En pleurs, elle s'en veut de ne pas avoir vu à quel point Lucie allait mal. Dans la soirée, Martin et Karim se rendent à la morgue pour récupérer le rapport d'autopsie. En soulevant le drap qui recouvre la dépouille de Véry, il découvre une bague à son doigt qui n'était pas présente quand la police l'a sortie de l'eau. Sophia sauve un jeune homme de la noyade lors d'une balade au bord du canal avec sa sœur. Sophia confie que sa relation avec Arthur n'est plus comme avant. Bien qu'elle l'aime toujours autant, elle trouve néanmoins que leur couple manque un peu de fun. Après qu'elles ont aperçu un jeune homme sur le point de sauter du haut d'un pont, les sœurs Donnier se précipitent à sa rencontre et essaient de le raisonner. Mais rien n'y fait, il saute quand même. Sans hésiter, Sophia se jette dans l'eau et parvient à le sauver de la noyade. Parmi la foule qui a filmé cet acte héroïque, une femme affirme à son mari qu'ils s'en sont sortis. Plus tard, les deux adolescents sont transportés à l'hôpital. Le jeune homme, qui se prénomme Quentin, ne veut pas répondre aux questions de Sophia qui voudrait comprendre son acte. Devant son mutisme, la fille Donnier explique qu'elle a vécu elle aussi une période compliquée l'année précédente et promet qu'avec le temps les choses finissent par s'arranger. Toutefois, Quentin n'y croit pas, affirmant que pour lui c'est différent. Avant de rentrer chez elle, Sophia craint que ce dernier ne récidive mais William garantit que les médecins ne le laisseront pas sortir si son état psychologique ne le permet pas. Christelle se rend quant à elle dans la chambre de Quentin afin de déterminer comment l'aider. Âgé de 19 ans, il n'a ni argent, ni papier et se dit en rupture avec sa famille. Dans la mesure où il n'a nulle part où aller, l'assistante souhaiterait lui trouver un foyer mais Quentin pense que cela ne sert à rien. Dans l'intervalle, le couple qui a filmé sa tentative de suicide prend un verre au Spoon. Tandis que l'homme estime que Quentin a eu beaucoup de chance, la femme sourit en signalant que ce sont eux qui l'ont obligé à faire cela. Jules se pose des questions sur Charlie et Gabriel chez les Moreno. Charlie et Gabriel travaillent sur leur exposé. Quand le jeune homme lui demande si elle repense à leur première fois, elle le somme d'arrêter d'en parler en rappelant que c'était une erreur.
Gabriel décide alors de rentrer chez lui. Dans la journée au Spoon, Jules fait une crise de jalousie à Charlie pour avoir travaillé avec son rival chez elle. La jeune femme affirme une fois de plus qu'il est le seul qu'elle aime, mais Jules lui fait part de sa discussion avec Gabriel avant de la questionner sur ce qu'elle lui cache. Agacé, Charlie jure qu'il ne passe rien avec Gabriel. Par la suite, elle se rend chez Gabriel pour finir leur exposé, mais le fils de Morgane, qui exclut de passer du temps avec elle, l'enjoint à rentrer chez elle. The man I love just has.